Rebonjour, j'ai encore quelques minutes, donc je voulais vous parler d'un côté des fois qu'on est moins habitué dans les produits, c'est les sérums. Un sérum, c'est quoi? C'est comme, on dirait une vitamine pour la peau, mais avec des propriétés précises. Donc un sérum, c'est pas ça qu'on va mettre pour hydrater la peau, c'est pas un hydratant, c'est vraiment une vitamine, ça vient rajouter quelque chose. Un hydratant, ça le dit. Ça hydrate, hein? C'est comme dans notre plante. Des fois, on va y mettre de l'engrais. Mais on ne prendra pas juste l'engrais, on a besoin de mettre de l'eau. L'eau étant notre hydratant. Donc, je vous présente, on en a quatre. Je commence par le sérum Effet Lifté. Lui, c'est dans la gamme Repair. Il se vend aussi dans le coffret Repair. Ce qu'il vient faire, tu sais, le petit gras, là, le petit glue, le petit gras de peau. Puis la peau ici qui s'affaisse aussi au niveau des joues. Il va aider à raffermir. On le met au niveau du triangle. Je le mets dans la paume de main et je monte pour créer vraiment un effet lifting. Ça le dit. Donc, un beau produit chouchou. Moi, celui que j'utilise beaucoup, le minimiseur de pores, parce que ça, c'est quand on a des pores de peau apparents. Les pores de peau, c'est les petits trous au niveau de la peau. Les miens sont quand même assez présents, donc je l'applique à tous les jours. Il se vend aussi dans le coffret de l'abrasion microdermique. Aussitôt qu'on met l'abrasion, c'est important de mettre le minimiseur de pores parce que l'abrasion, c'est comme ça enlève une couche de peau morte, puis là, nos pores de peau sont un peu plus à vif. Donc, on vient mettre le minimiseur de pores. Moi, j'aime son petit côté brillant qui vient aider. Donc, lui, je l'applique où est-ce qu'on voit les pores de peau, niveau du nez et des joues. C'est là que je l'applique le plus. Un autre sérum. Ils sont tous pareils. Juste pour vous les montrer, vous allez voir la boîte. Les sérums, ils ont tous le même format tube avec petite pompe. Donc, le sérum correcteur de teint, lui, il est fun. Il est à base d'haricots blancs. Puis, il y a beaucoup de propriétés pour, disons, celles qui ont des taches de rousseur. Ça va venir aider à diminuer, hein, ça enlèverait les lèvres, pas tout, mais ça va aider à diminuer les taches brunes, les cicatrices, le teint inégaux. Donc, ça fait un beau travail. Les gens qui fument, hein, souvent le teint il va être un peu plus terne. Ça va venir donner de la lumière. Puis aussi, avant de faire un beau maquillage, ben, le sérum correcteur de teint va venir aider. C'est un peu, si on veut, un sérum assez polyvalent pour tout le monde, qui fait très bien. Puis, qui n'est pas cher non plus. Enfin, je ne vous ai pas parlé des prix, mais lui, il est à 48. Le sérum minimiseur de pores 35, 75 sérum effet lifting, puis le sérum C plus E, je ne me trompe pas, est à 68 maintenant. La bouteille est plus grosse un peu. Celle-là, bon, je parle souvent rosacée, puis ça, peut-être ça ne vous dit rien, mais disons peau sensible. Celles qui ont une peau sensible, je vous parlais hier, botanicale, et Naturally, des fois, quand on s'en va dans ces gammes-là, mais qu'on a dépassé le 25 ans, mais on veut quand même un effet pour garder un petit look de jeunesse. Donc, le sérum C plus E, lui, il va vraiment aider. Ben, c'est de la vitamine C plus de la vitamine E. La vitamine C, elle vient stimuler le collagène et la vitamine E aide à absorber la vitamine C. Donc, lui, puis vous voyez dessus, il y a un petit guide de 6 semaines. En tout cas, je n'ai jamais réussi à le faire. Je ne sais pas comment ils en mettent. Ils doivent en mettre vraiment dans le bas de la poitrine jusqu'au front parce que ça me dure beaucoup plus longtemps la bouteille. Moi, je m'en sers beaucoup au niveau des rides, ridules. C'est vraiment agréable aussi, là. Vous allez voir, celles qui ont une peau sensible, ça fait toute une différence aussi au niveau de la sensation de la peau. Il y en a, tantôt je vous parlais, c'était pas un hydratant, mais lui, c'en est un que les gens étaient portés à prendre comme hydratant parce qu'il y a un petit côté plus riche. Donc, celles qui ont la peau mixte grasse vont moins aimer celui-là, mais ça serait plus sérum minimiseur de pores. Alors, j'espère que cette petite capsule vous a aidé à démêler les sérums. Bye!